On dit béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tenez bien. Bah mon qui beaucoup de l'an, mais dis-le comme ça. Bon Dieu, pas jamais servi avec mon qui doit presser. Bon Dieu, pas jamais servi avec mon qui doit presser. Amen, amen. C'est méditation que nous allons faire. Bon Dieu, pas jamais servi avec mon qui doit presser. Ça veut dire que nous allons parler sur la patience. La paix avec mon bien-aimé. Alléluia. Bon Dieu, pas jamais servi avec mon qui doit presser. Alléluia. Nous ouvrons la Bible dans Exode. Ensemble avec moi. On a dans Exode chapitre 1. Chapitre 1. On nous campé, on nous fait les tubes, mon Dieu. Chapitre 1. Verset 8, là, m'a commencé là. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons montrons-nous habiles à son égard. Empêchons-nous qu'il s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il se joue à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès pour servir les magasins à Pharaon. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Et il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par les ouvrages des champs. Et c'est avec une cruauté qu'il leur imposait toutes ses charges. Le roi d'Égypte parla aux sept femmes des Hébreux, nommées l'une Shira et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous approcherez les femmes des Hébreux, si vous verrez sur les siège, c'est un garçon, faites-le mourir. C'est une fille, faites-la vivre. Mais les femmes sages crièrent à Dieu. Elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sept femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les femmes ça répondit à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme des Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchèrent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit bien aux sage-femmes et le peuple multiplié devint très nombreux. Parce que les femmes ça avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna ce ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le feu tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Seigneur, ô Dieu vivant, dans le sein éternel des armées, mais bénis non, Seigneur Dieu, mais exaltez non, Seigneur Dieu tout-puissant. Avant pas gagné, Seigneur Dieu, après pas gagné, éternel des armées. L'éternité en éternité, Seigneur Dieu tout-puissant, ou c'est bon Dieu. Dans le sein, Seigneur Dieu tout-puissant, ô Dieu vivant, mais éternel des armées, ô Dieu vivant. De trois paroles, Seigneur, nous parlons avec le peuple, Seigneur du puissant. L'éternel des armées, ô Dieu vivant. Nous demandons tant pour Seigneur du puissant. Ô Dieu, vous va attendre nous, Seigneur du puissant, et vous va parler par moi-même. Comme ça, nous prions au nom de Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. Pendant que nous m'appelons deux trois versets après dans le chapitre 2, verset 23-24. Là. Lorsque, après le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris montraient que leur arracher la servitude montait jusqu'à Dieu. Dieu entendu leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarde les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Asseyez-vous. Premier, et songez-moi de que bon Dieu n'a pas agi à monde qui trop réussi. Ok?
Qui raison que bon Dieu pas agir avec monde qui doit presser? Parce que le grand monde. Ou pas le grand monde. L'homme monde grand monde, le grand monde. L'homme monde grand monde, il fait affaire l'élevé. Et Jean bon Dieu grand monde non, c'est pas grand monde avec tout le grand monde non. Ils sont grand monde qui ont pouvoir dans elle. Là-bas avec bien-aimé. Il vient pour voir dans main, il fait affaire l'élevé. Bon Dieu, j'ai un grand monde, pas grand avec tout grand monde. Il y a un grand monde qui a pas pour conseil, elle est difficile. Il y a un grand monde qui a pour conseil dans même monde, mais bon Dieu lui-même va pour conseil dans même monde. Parce que lui-même il connaît tout bas, toute bagaille. Donc si mon Israël yo, Dieu va il va réaliser, je dis dans l'église réaliser. Ce n'est pas l'on a un problème dans mon Dieu qu'on aime. Mon Dieu connaît, a, depuis avant, on a un problème dans mon Dieu qu'on aime. Amen, amen. C'est vous-même qui sautez les problèmes d'arriver. Yes. Ben, c'est l'homme où il est. L'homme est si vous avez quitté là, ou même ça choque, ça va choquer mon Dieu, mais mon Dieu est déjà déjà. La paix avant bien aimé. L'homme est maintenant dit job là, ça choque, mon Dieu est déjà connu, puis avant on va dire job là, que vous avez dit job là, bien aimé. La paix avec bien aimé. Choqué, tenez bien oui, tandis que même ça va choquer mon Dieu, parce que depuis on va dire job là, mon Dieu est déjà fait provision vous-même. Amen. Mais ou même personne, c'est les gens mouillés, le choqué, il faut décourager, le choqué, il faut crier, le choqué, il n'y a pas de problème, et puis mon Dieu. Je vais te garder chez le problème, non. Je vais te faire plan pour lui, oui. Amen. On dit alléluia. Alléluia. Mais tout bon Dieu qui t'a fait plan pour vous-même, depuis qu'on va y arriver. Amen. 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 Et tout le monde qui est chrétien, qu'on raison fait arriver. Amen. La paix avec mes aimés. Parce que vous-même, ou pas contre bagaille, ou pas qu'à plus loin que vous. C'est vrai. Amen, bien aimé. Ou pas vous dire, moi, c'est qu'à passer dehors là. Non. On dit alléluia. C'est quand on y est maintenant. Mais prenez bien, observe mon Dieu, qui a le monde en même temps. Il y a l'Egypte en même temps. Quand on a regardé à Haïti, quand on a regardé à l'Allemagne, quand mon Dieu est agi en Israël, mes amis, si on est en Israël, la paix avec bien aimé, si mon Dieu au Kamaï, c'est Kouniala, si mon Dieu la Timonie, c'est Kouniala, Kouniala, moi je dis Kouniala, moi je dis Kouniala. Amen. Si mon Dieu, si mon Dieu tout bas, tout côté. Et ça fait la Bible de toutes choses concourent. Pour bien mon Dieu, mon Dieu. Quand une fois verset difficile pour mon accepter, mais c'est vérité lié. Amen. Et puis c'est pas grave pour écrire ou comme chrétien, c'est pour bien lié. Et ça fait nous dire tout ça qui arrive, va servir nous bien. M'accepte des souffrances comme si je n'ai pas duré longtemps. Bientôt il y a 6 mois. Amen. Oui. Oui, Seigneur. Moi je dis comme ça, c'est vous-même qui saisis. Mais pas bien, écrivez-vous, fais mon Dieu saisir. Amen. Parce que depuis avant de bon Dieu qui t'a fait plan. Amen. Bon Dieu qui t'a fait plan. Des plans, bien les amis, nous ne pas être pressés. Des plans qui doivent accomplir après deux jours. Des plans qui doivent accomplir après 5 ans. Des temps qui doivent accomplir après 10 ans. Mais un seul bagaille, bon Dieu qui est plan. Amen. Amen. Bon Dieu qui est plan. Bon Dieu qui est plan. Et fâché ou fâché, pas qu'à faire plan mon Dieu accompli. Non. Et non, date mon Dieu accompli. Non. Mon Dieu promet Adam et elle, mon sauveur. Jésus. Très bien, oui. Côté Adam péché.